Oh putain, merde, j'en fous partout. Ah la vache. Oh putain, c'est pas censé attaquer ça à la base. Merde. J'en ai beaucoup. Du sang? Ouais. Oui. Genre beaucoup, beaucoup comment? Beaucoup, des petites salades et enfants. T'es sérieux? Vraiment? Putain la vache, les dents que ça a, n'empêche. Hein, Attends, je m'étais déjà fait attaquer par un boa, mais et tu vois ce qui est étonnant, c'est qu'il va pas remordre, je pense. Enfin, je peux continuer à faire ma vidéo en mode normal, je vais juste pas me tâcher. Je vais me mettre une bavette. Mesdames et messieurs, bonjour. Les serpents sont inoffensifs. Ah la vache. Alors je sais que ça fait mauvaise pub pour les serpents, mais en fait il aurait pu m'arriver la même chose avec mon propre chien. Juste pour vous expliquer pourquoi je me suis retrouvé dans cette situation là. Ça paraît impressionnant, c'est dangereux, c'était juste à côté de l'œil, mais l'erreur, elle vient de qui? Elle vient de moi. Il n'y a que moi qui suis fautif. Il y a eu un ensemble de paramètres qui a fait que ce serpent a juste réagi à ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui se passe avec ce serpent? Il n'est pas sauvage, il connaît la main humaine. Voilà, et je suis même d'ailleurs sûr qu'il a jamais mordu personne. Alors pourquoi moi et pourquoi de cette manière? Eh bien parce qu'aujourd'hui, c'est le jour où normalement on les nourrit. Et il y a une odeur de rongeur dans l'air qui est juste... Là vous sentez pas à travers la caméra. C'est débile mais c'est normal. Et du coup bah, ce serpent il a cru que j'étais à manger. Je suis la première chose qu'il a vue comme ça, donc il a associé l'odeur de la souris à moi. Mais regardez, je suis pourtant en train de le manipuler tranquillement et ce serpent n'a absolument aucune réaction d'agressivité envers moi. Là où c'est impressionnant et l'erreur elle est de ma part, c'est que j'ai sous-estimé. Ça fait 10 ans que je travaille avec les pitons, donc cette espèce-là, et je me suis jamais fait mordre. L'habitude crée la confiance. Et c'est ça qui est dangereux avec les animaux, c'est qu'il faut jamais oublier que ce sont des animaux sauvages. Ils ne sont pas méchants, pas gentils. Non, ils font juste que réagir. En tant que professionnel, c'est moi le responsable. Et je lui en veux pas, ce serpent, je lui en veux pas. Et là, il a très bien compris, tu vois, bah, que je suis pas une souris, en fait. Je saigne. Mm-hmm. Beaucoup. Ça commence à se calmer. Ouais.